mesdemoiselles, messieurs, nous vous remercions pour votre présence et surtout pour avoir choisi de nous suivre au travers des ondes de Soteria Media. Nous vous saluons une fois de plus. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un problème assez important, une situation, des circonstances que nous avons dans la vie. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce sujet qui est sûr, si vous voulez, qui fait couler beaucoup d'encre, et particulièrement dans le milieu chrétien. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'infiltrés. Si je parle d'infiltrés, vous comprendrez pourquoi lorsque je lirai ce passage dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et particulièrement le verset 11. Lisons rapidement. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup des gens. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu, déjà, Matthieu 24, c'est une illustration de ce que nous voyons dans le monde. Mais alors, une fois de plus, nous voulons zoomer, enfin, focaliser notre attention sur ce passage. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui font détourner justement les cœurs de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont déçues, beaucoup restent à la maison, beaucoup ont eu des souffrances, des peines, des déceptions terribles à cause justement de ces faux prophètes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, vous allez voir vous-même, des gens s'élèvent, chacun s'élève à sa manière, après avoir lu ou maîtrisé deux passages, ils s'élèvent et s'appellent prophètes. Ou encore s'appelle bishop, ou apôtre, ou encore archibishop. Nous avons des gens qui sont aujourd'hui, qui veulent des titres, et qui, à cause justement de ces titres, ils veulent maintenant rentrer dans le milieu, ou encore dans les églises, pour séduire des gens, et la parole de Dieu est claire là-dessus, que beaucoup viendront, ils vont séduire le peuple de Dieu, pour les amener à l'extérieur ou encore les faire sortir de l'église. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui dans la vie chrétienne ou encore dans la communauté chrétienne. C'était important pour nous de pouvoir nous focaliser un peu, parler, souligner un peu ce trait pour que les enfants de Dieu puissent comprendre que nous vivons les temps de la fin, nous vivons un temps difficile qui demande à chacun d'entre nous d'avoir le discernement. Voilà, bien-aimés, vous avez vu vous-même au travers des médias, vous voyez ce que nous voyons aujourd'hui, des faux prophètes, vous voyez ce qu'ils font. Certains font manger leurs membres, les membres de l'église, par exemple, de la pelouse ou encore des herbes. D'autres font boire tout un bidon d'huile. D'autres amènent d'huile magnifique, ajoutée avec de l'eau et beaucoup d'autres choses pour faire en sorte que cela puisse être quelque chose d'assez... et puis ils font toute une manigance autour de cela. Suivez ces images qui... Thank you.
avez suivi justement ces images, vous avez remarqué. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la communauté chrétienne. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire vraiment très attention et avoir le discernement pour comprendre quel est l'esprit qui vient. Et la parole de Dieu me dit, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 17, la Bible nous dit quelque chose d'assez important. La Bible nous dit que ne suivez pas ces hommes, car ces hommes sont des fontaines sans eau. Très important comme passage. Et nous avons aujourd'hui, justement, à cause de ces personnes, beaucoup d'églises qui ne sont que des fontaines sans eau. Parce que, laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est pas à cause, justement, de la grandeur ou encore à cause du nombre qui fait que, oui, effectivement, le Seigneur est là, la présence de Dieu est là. Ce n'est pas le nombre qui fait la présence de Dieu. Ce n'est pas également la popularité qui fait la présence de Dieu. Mais c'est tout simplement l'Esprit de Dieu qui agit en nous, peu importe le nombre, peu importe ce qui se passe. Le problème, c'est notre cœur. Et beaucoup sont venus pour détourner les cœurs des enfants vers le cœur des enfants, vers d'autres moyens, d'autres lieux, alors que la Bible nous dit clairement que le serviteur viendra pour ramener justement les cœurs des enfants vers leur père. Et aussi, voilà ce que Christ a fait. Il a ramené les enfants vers le père et le père vers les enfants. Il a relié, il a été un peu ce moyen qui nous réconcilie aujourd'hui avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons que c'est très important de suivre ce que nous sommes en train de dire, de voir la communauté aujourd'hui. J'ai vu, par exemple, dans d'autres cieux, encore une fois de plus, où vous verrez des pasteurs qui s'élèvent et commencent à laver les mamans, comme quoi ils veulent enlever la sorcellerie. Nous avons vu, par exemple, d'autres parts où les enfants, on leur fait boire tout un bidon d'huile et puis on marche dessus pour dire qu'on enlève la sorcellerie. Nous avons vu aussi d'autres choses où encore maintenant, aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est les prophéties. Il y a beaucoup de prophéties, de fausses prophéties, évidemment, où les gens se lèvent pour raconter n'importe quoi. Et même que même maintenant, certaines personnes payent certaines personnes pour aller un peu chercher des informations de la personne, des membres. Quand il sera à l'église, maintenant, on sort ces informations pour dire que l'Esprit de Dieu m'a parlé. Voilà des choses que nous voyons aujourd'hui dans l'église. On paye des gens pour venir devant, pour falsifier, faire un miracle et dire que celui-là ne marchait pas, celui-là n'entendait pas. Et puis voilà, finalement, il a commencé à parler. Tout ceci pour chercher la notoriété. Bien-aimés, si vous cherchez la popularité, ce n'est pas ça, justement, pour Dieu, ce n'est pas ça, ce n'est pas la popularité. Dieu dit, je ferai de ton nom grand. Il n'a pas dit, je ferai de ton nom populaire. Voilà encore notre chose que nous cherchons aujourd'hui. Beaucoup cherchent cette popularité. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons attirer l'attention du peuple de Dieu. Levez-vous, soyez réellement des enfants de Dieu avec le monde aujourd'hui. C'était là, Soteria Media, pour vous ce soir.